notre Père, l'ange de cette église, le pasteur Mike Kalambay, jusqu'ici, nous vous reconnaissons comme Père et comme l'ange de cette église. Et c'est la raison pour laquelle jusque-là nous travaillons sous ta grâce. Vous voyez toujours à ma droite, particulièrement ce soir, Mdadi est dans la foule. Ça vraiment c'est une expression d'humilité. Ça c'est vraiment l'humilité, mais au vrai sens du mot. Amen. Ça c'est toute une leçon pour nous. Nous qui sommes encore des jeunes serviteurs, nous qui aspirons encore au ministère. S'il faut réduire à un mot, Mdadi, le Dieu de la Bible, puisse venir. Parce que nous pouvons acclamer pour notre Dadi. Oh, j'ai parlé de notre Dadi. Est-ce que nous pouvons encore apprécier cela? Et je ne saurais pas aller plus loin. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Je te combats, ce n'est plus toi. Dans l'humiliation, ce n'est plus toi. Dans ton échec, ce n'est plus toi. Dieu a fait la publicité de Jésus. J'ai dit à quelqu'un que le moment est arrivé. C'est Dieu lui-même qui va faire ta publicité. C'est Dieu lui-même qui va faire ta promotion. C'est que j'aime. Je me pose la question. Si à l'époque, il y avait Facebook, si à l'époque, il y avait WhatsApp, où une voix, où Jésus, où Dieu est en train de parler, je suis en train de dire à quelqu'un, l'Éternel va témoigner pour toi. L'Éternel va témoigner pour toi. C'est la raison pour laquelle il pouvait dire à Moïse, gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. J'aimerais dire à quelqu'un, le silence est une arme que tu peux utiliser pendant les moments où tout le monde travaille contre toi. Pendant les moments où tout le monde est contre toi. Garde silence. Et pendant que tu es dans le silence, cherche la face de Dieu. Écoute-moi. Clip de frère de Paul Moulage est déjà disponible sur YouTube na Monate. Abonnez-vous massivement sur sa chaîne YouTube de Paul Moulage officiel. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais encore une fois dire un grand merci à notre Père, l'ange de cette église, le pasteur Mike Kalambay, pour cette marque de confiance. Moi, j'aimerais le dire que jusqu'ici, nous vous reconnaissons comme Père et comme l'ange de cette église. Et c'est la raison pour laquelle jusque-là, nous travaillons sous ta grâce, sous ton onction. Et nous reconnaissons cela. Et ce soir, d'habitude, quand je prêche, je vous vois toujours à ma droite. Mais particulièrement ce soir, mon Dadi est dans la foule. Ça, vraiment, c'est une expression d'humilité. Ça, c'est vraiment l'humilité, mais au vrai sens du mot. Amen. Ça, c'est toute une leçon pour nous. Nous qui sommes encore des jeunes serviteurs. Nous qui aspirons encore au ministère. S'il faut réduire à un mot, Mdadi, le Dieu de la Bible, puisse venir. Parce que nous pouvons acclamer pour notre Dadi. Oh, j'ai parlé de notre Dadi. Est-ce que nous pouvons encore apprécier cela? Et je ne saurais pas aller plus loin sans encore dire merci au pasteur Samuel. Quand je parle de lui, je fais allusion à la coordination de l'église. Et surtout pour ce bon travail qu'il est en train de battre dans notre église. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et je célèbre la grâce que l'Éternel passe toujours par lui pour nous faire du bien. Pasteur Samuel, que Dieu vous bénisse. En même temps, j'aimerais remercier tous les hommes de Dieu pour les efforts, pour tout ce que vous faites pour cette église. Laisse que le Dieu de la Bible puisse vous bénir. En même temps, je bénis l'auditoire. Toi qui es là, toi qui as quitté ta maison,
pour venir dans ce culte. Lorsque le Dieu de Kalambaï puisse te bénir dans le nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, acclame encore pour le roi des rois. Acclame très bien pour Jésus. Je disais tout à l'heure que tout au long de ce mois, nous serons tout simplement en train de parler de Jésus. Bien aimé, avant d'aller plus loin, quand j'étais en train de préparer ce message, j'étais en train de constater que toute la Bible a parlé de Jésus. En commençant par l'Ancien Testament, même aussi le Nouveau Testament. Si vous remarquez même, il y a d'autres personnes qui vous diront que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Il y a beaucoup de choses qui se passaient dans l'Ancien Testament où nous sommes en train de voir la suite. Mais dans le Nouveau Testament, par exemple, la prophétie d'Ésaïe. Quand Ésaïe prophétise sur Jésus, c'était d'abord dans l'Ancien Testament. Même si vous regardez la vie de Joseph, c'était une vie qui était presque comme Jésus. Entre Joseph de l'Ancien Testament et Jésus, vous allez remarquer qu'il y a des points communs. En d'autres termes, depuis l'Ancien Testament, on nous parlait toujours de Jésus. Mais ce que j'aime, c'est Jacob. La Bible nous montre. Jacob arrive au soir de sa vie. Jacob rassemble ses enfants. Écoute ce que Jacob dit. Rassemblez-vous. Je vous dirai ce qui viendra dans la suite du temps. Quand Jacob a commencé à prophétiser sur ses enfants, il prophétise sur Ruben, il prophétise sur Lévi, il prophétise sur Simeon. Mais quand il arrive sur Judas, il dit une prophétie spéciale. Écoute ce que Jacob dit à Judas. Toi, Judas, le secret royal ne quittera jamais Judas jusqu'à ce que Shiloh revienne. Le Shiloh que Jacob est en train de parler, c'était la venue de Jésus-Christ. En d'autres termes, quand Jésus-Christ était venu, c'était une façon d'accomplir la prophétie que Jacob avait dit sur Judas. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu viens encore dans la prophétie, le moment est arrivé, tu vas vivre l'accomplissement de ce que l'Éternel a déclaré dans ta vie. Et je croyais que tu allais me donner un bon amen. Ce qui m'étonne, même dans l'évangile, il y a Bartimée. Quand il voit Jésus, il appelle Jésus fils de David. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une histoire de David. Quand on parle de David, c'est dans l'Ancien Testament. Mais arrivé dans le Nouveau Testament, Bartimée appelle Jésus. Il est le fils de David. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ avait compris. C'est lui qui m'appelle fils de David. C'est quelqu'un qui a la révélation. Bien-aimé, écoute-moi. Si tu as la révélation de Dieu, l'Éternel va s'identifier à toi. Et tu ne m'as pas compris. Même ta vraie identité est attachée à la révélation que tu auras de Dieu. Quand Bartimée dit ceci, si c'est de David, aie pitié de moi. Et Jésus-Christ s'était arrêté. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu dois voir la vraie révélation de Jésus. Si tu es ensemble avec moi, donne-moi encore un amen. Mais arrivé dans le Nouveau Testament, permettez-moi de poser les bases parce que bientôt je vais décoller. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, il y a quatre évangiles qui nous parlent de Jésus. C'est là où il y a même l'histoire de Jésus. Les quatre évangiles en question, il y a spécifiquement l'histoire seulement de Jésus. Les quatre évangiles nous parlent de la naissance de Jésus. Les quatre évangiles nous parlent aussi de la croissance de Jésus. Les quatre évangiles nous parlent du ministère de Jésus. Nous parlent aussi de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais une chose particulière, chacun d'évangile utilise l'identité de Jésus, mais à sa manière. Si vous regardez très bien Matthieu, quand Matthieu
Dieu nous présente Jésus. Matthieu nous présente Jésus comme un roi. Si vous lisez l'histoire dans le livre de Matthieu, chapitre 2, le verset 2, il y a une question qui se pose. Où est le roi des Juifs qui tient des scénarios? En notre terme, quand Matthieu nous présente Jésus, nous présente Jésus comme un roi. Mais il y a encore un évangile. C'est l'évangile de Marc. Cette fois-ci, quand Marc nous présente Jésus, il nous présente Jésus comme un serviteur. Mais il parle toujours de Jésus. C'est pourquoi il y a une phrase dans Marc où Jésus-Christ est en train de dire: je ne suis pas venu pour être servi, mais moi, je suis venu pour servir. Et cela nous pousse à comprendre que quand Marc nous parle de Jésus, nous présente Jésus comme un serviteur. Différemment de Luc, Luc nous présente Jésus, mais voici comme un homme qui avait compassion des autres. Si vous lisez très bien Luc, Luc disait à tout moment, c'est Jésus-Christ qui le disait, qu'il a eu compassion des gens. En d'autres termes, Luc nous présente le côté humain de Jésus. Un Jésus qui avait compassion des gens. Mais quatrième évangile, c'est l'évangile de Jean. Jean présente Jésus mais différemment. Jean nous présente Jésus comme Dieu. Jean nous présente le côté divin de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que le Jésus que je suis en train de te parler ce soir, il est Dieu. Le Jésus que je suis en train de te prêcher, ce n'est pas n'importe qui, il est Dieu. La Bible l'appelle, il est la parole faite chair. Au commencement c'était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole elle-même, elle était Dieu. Je voudrais te dire ce soir, la parole que je t'annonce, c'est Jésus-Christ. Quand on parle de Jésus, on parle aussi de la divinité de Dieu. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen fort. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Acclame encore pour le roi de rois. Bien-aimé, écoute-moi. Ce soir, je ne te parle pas de Moïse. Ce soir, je ne te parle pas de Salomon. Je ne te parle pas non plus de David. Pourquoi j'existe tous ces gens-là? Ce sont des personnes qui ont eu à jouer par rapport à leur mission. Moïse nous amène la loi. Et lui-même, il n'arrive pas à obéir par rapport à cette loi. David a amené même la division en Israël. Salomon, n'en parlons pas. Salomon a amené même d'autres dieux à Israël. Mais ce soir, je te parle de Jésus. Je te parle de quelqu'un qui est au centre de l'histoire. Je te parle de quelqu'un qui était mort et ressuscité. Je te parle de quelqu'un qui a arrêté le temps. Après sa naissance, il y a eu un avant et un après. C'est la raison pour laquelle on dit quelques années avant la naissance de Jésus. Quelques années après la naissance de Jésus. En d'autres termes, après sa naissance, il a arrêté le temps. Je comprends, c'est pourquoi on l'appelle le maître de temps et de circonstances. Mais bien, écoute-moi. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de mettre une mise au point par rapport à mon message. La première des choses que j'aimerais te dire, Jésus-Christ, le nom de Jésus, Jésus n'était pas le seul à porter ce nom en Israël. Si vous lisez très bien l'histoire d'Israël, il y a eu beaucoup de Jésus. Il n'était pas le premier à porter ce nom. Il n'était pas aussi le dernier à porter ce nom. En d'autres termes, le nom de Jésus, c'est un nom commun. On pouvait appeler beaucoup de gens Jésus.
C'est comme si on m'appelle Alain. C'est comme si on m'appelle Branham. Ce sont les noms communs. Parce que tout simplement, beaucoup de gens en Israël ont y apporté aussi ces noms. Écoute-moi, même si vous lisez dans le livre des Colossiens, chapitre 4 et le verset 11, vous allez voir, on nous présente un autre Jésus. En d'autres termes, le nom de Jésus, c'était un nom où beaucoup de gens ont y apporté dans l'histoire d'Israël. Mais ce qui crée la différence entre Jésus, Jésus-Christ, et d'autres Jésus, c'était le nom de Christ. Avec le nom de Christ, c'est un nom qui a amené des ennuis dans la vie de Jésus. Avec le nom de Christ, c'est un nom qui a créé des problèmes dans le ministère de Jésus. Si on pouvait l'appeler Jésus tout court, ça ne pouvait pas créer des problèmes. Mais quand on l'appelle Christ, bien aimé, écoute-moi, c'était connu en Israël. C'était connu en Israël qu'on devrait attendre le Messie, mais qui devrait venir. Quand on parle de Messie, en d'autres termes, on parle de Christ. Quand on parle de Messie, on parle de la personne qui devrait venir. C'est là où le problème a commencé. Parce que tout simplement, on appelait Jésus qu'il était le Christ. Christ signifie quoi? Le Dieu qui sauve. Je viens de le dire tout à l'heure. La différence entre Jésus et tous les autres Jésus, c'était seulement le nom de Christ. Pour aller encore plus loin, le nom de Christ n'est pas le poste nom de Jésus-Christ. Cette appellation de Christ, c'est un titre. En d'autres termes, c'est une qualification. On peut m'appeler Alain Bouaï, mais quand on m'appelle berger Alain, le mot berger là, c'est toute une qualification. C'est un titre qu'on est en train de me donner. C'était le cas avec Jésus. Son nom était Jésus, mais on ajoute encore Christ. Christ, cela veut dire quoi? Cela veut dire le roi. J'aimerais dire à quelqu'un, avant de sauver, tu dois d'abord avoir l'onction. On a beaucoup de gens qui cherchent à sauver les autres, or que eux-mêmes ne sont pas encore sauvés. Jésus-Christ signifie le Dieu qui sauve. Mais avant que tu sois le Dieu qui sauve, commence d'abord à voir l'onction qui était dans Jésus-Christ. Et je prie comme un homme de Dieu, à partir de ce soir, que l'Éternel te donne l'onction, où tu vas commencer à travailler dans ton ministère, dans ta famille, dans ton carrière, dans tes projets. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Je disais tout à l'heure, c'était connu en Israël qu'il y a un Messie qui devrait venir. Même Jean-Baptiste pose la question. Il regarde ses disciples. Allez poser à Jésus la question. C'est lui. Ou soit nous devions attendre un autre qui viendra après lui. C'était quelque chose connu en Israël. Même la femme samaritaine, elle qui était pécheresse, si vous lisez dans le livre des Chants, chapitre 4, le verset 25, écoute ce que cette femme dit à Jésus. Je sais que tu es le Messie qui devrait venir et tu es le Christ. En d'autres termes, c'était quelque chose, mais une chose connue en Israël. Et je suis en train de prier à Dieu. J'aimerais te rappeler que bientôt là, Jésus-Christ va venir. J'aimerais dire à quelqu'un, prépare-toi, parce que tout simplement, Jésus-Christ finira toujours par venir. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Mais ce qui crée la différence entre Jésus et d'autres Jésus, je commence à prêcher maintenant. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? J'ai envie de décoller maintenant. La chose qui crée la différence entre Jésus-Christ et d'autres Jésus, notre Jésus, il est né sans pour autant avoir un père biologique. C'est ce qui crée la différence. D'autres Jésus, avant de donner naissance, la première des choses, il a fallu qu'une femme et un homme puissent s'accoupler. Mais ce qui crée la différence avec mon Jésus, lors de sa conception, lors de sa naissance, la femme avait conçu sans pour autant entrer en contact à
avec un homme. J'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu, c'est un Dieu d'exception. Le problème avec toi, quand tu cherches le miracle, tu cherches toujours la méthode. J'aimerais te dire ce soir, quand l'Éternel cherche à bénir quelqu'un, il n'a pas besoin de la méthode. Quand le sergent cherche à faire le miracle, il n'a pas besoin de la méthode. Je prie comme un homme de Dieu, que l'Éternel te bénisse, sans pour autant passer par les principes. Oh, je veux que je peux bénir quelqu'un. Je prie ce soir que le Dieu de la Bible puisse te bénir sans pour autant passer par des principes. Le grand problème avec les gens, même Marie pose la question en disant que comment cela arrivera-t-il. Ça peut être la même question que tu te poses le soir. Comment j'aurai le mariage? Comment j'aurai le travail? J'aimerais te répondre. Tu n'as pas besoin de la méthode. Ce qui est important, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Quand il vient, il bouleverse les choses. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. La personne de la piscine de Bethesda, Jésus lui pose la question. Veux-tu être guéri? Écoute la réponse. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Pour la personne, son miracle était attaché. On doit lui jeter d'abord dans l'eau. Et Jésus lui regarde. Il lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. J'aimerais dire à quelqu'un, ton miracle sera sec. Ton miracle sera sec. Et pendant que je suis en train de parler, que l'Éternel te donne une bénédiction exceptionnelle. Une bénédiction qui va étonner le monde. Les gens vont se poser la question. C'est lui ou ça, ce n'est pas lui. Et j'aimerais te répondre. Ça serait toi. Ça serait toi. Je suis en train de voir un mariage. Les gens vont se poser la question. C'est lui ou ça, ce n'est pas lui. Nous allons répondre que c'est toi. Je suis en train de voir la promotion. Les gens vont se poser la question. C'est lui, ce n'est pas lui. Ah, en même temps, ça serait toi. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Est-ce que tu peux dire exceptionnel? Est-ce que tu peux dire exceptionnel? Écoute-moi. La méthode amène toujours la routine. Quand quelqu'un s'habitue toujours à faire des méthodes, tu vas toujours tomber sur le même résultat. Mais si tu veux avoir la nouveauté, il faut travailler dans l'exception. Je suis en train de prier comme un homme de Dieu. Que l'Éternel t'enlève dans la méthode. Que tu puisses accéder dans une dimension exceptionnelle. Si c'est toi, donne-moi encore un bon amen. En Israël, Marie était la seule femme, même jusqu'aujourd'hui, à donner naissance sans pour autant entrer en contact avec un homme. J'aimerais dire à quelqu'un, il y aura un miracle dans ta vie, exceptionnel. Il y aura un miracle, mais personnel, attaché à toi et attaché à toi seul. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. J'ai dit à quelqu'un, tu vas céder une parcelle, tu vas étonner le monde. Tu vas voyager et les gens seront étonnés. Si je parle à quelqu'un, qu'il me donne un bon amen. La chose qui crée encore la différence entre notre Jésus et notre Jésus, écoute-moi, notre Jésus, après avoir régné, ils étaient morts. Mais ce que j'aime avec notre Jésus, après avoir régné, après sa mort, il était ressuscité. J'aimerais te prêcher un Jésus qui est ressuscité. J'accepte qu'il était mort. Mais pendant que je suis en train de parler, il est vivant et il est à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Je n'en disconviens pas. Tu diras ceci, que Jésus-Christ n'est pas le seul à être ressuscité dans la Bible. Je suis d'accord avec toi. Il y a Lazare qui était ressuscité. Il y a la fille de Jairus qui était ressuscité. Mais ce qui est bien, après la résurrection de Lazare, Lazare était encore mort. Après la résurrection de la fille de Jairus, elle est encore mort. Mais ce que j'aime, après la résurrection de Jésus, au lieu de mourir, il a fait l'ascension. J'aimerais dire à quelqu'un, je croyais que tu allais me donner un bon amen. Je suis en train de voir la gloire. Et cette gloire-là, je me pose la question. Quand Jésus-Christ faisait l'ascension, quand les disciples étaient là, ils s'attendaient à un moment que Jésus-Christ puisse tomber. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas monter. Au commata,
Il y a des personnes qui ne tombent jamais comme des Élie. Élie, après avoir élié, Élie a fait l'ascension. J'aimerais te rassurer. Quand tu ne tombes pas, mais tu finiras par la. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est toi. Notre Jésus, il est vivant. Et pendant que je suis en train de parler, tu sais si Jésus est où? Il est à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous. Je prophétise que toutes les prières que Jésus-Christ est en train de faire à la droite du Père, à ton faveur, que cela se réalise. Et tu pourrais me donner mon amen. Et pendant que je suis en train de parler, parce que Jésus intercède pour toi, le moment est arrivé. Tu dois vivre la prière que Jésus-Christ est en train de faire, mais pour toi. Celui qui prie pour toi n'est pas n'importe qui. C'est le Fils de Dieu. Celui qui prie pour toi, en d'autres termes, lui-même, il est Dieu. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? J'aimerais dire à quelqu'un, tu es victorieux. Parce que tout simplement, Jésus est avec toi. J'aime ce que Paul dit. Ce n'est plus moi qui dis, mais c'est Jésus qui vit dans mon cœur. Je dis à quelqu'un, ce n'est plus toi. Dans tes combats, ce n'est plus toi. Dans l'humiliation, ce n'est plus toi. Dans ton échec, ce n'est plus toi. Plus c'est facile, ça serait Jésus. J'aime ce que Jésus dit. Moi et mon Père, on quittera les cieux. On fera votre corps, notre demeure. J'aimerais rappeler à quelqu'un, il n'est pas ta gauche, il n'est pas ta droite, mais il est au-dedans de toi. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de rois? Et la troisième des choses qui crée la différence, notre Jésus est le seul dont que Dieu a témoigné son affection. Avec d'autres Jésus, Dieu n'a pas fait de commentaires. Mais avec Jésus-Christ, arrivé au Jourdain, les cieux pouvaient s'ouvrir. Et la Bible me dit, il y a une voix qui était venue dans les cieux pour déclarer, celui-ci est mon fils bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, pour d'autres Jésus, Dieu n'avait pas dit ça. Arrivé sur Jésus, Jésus témoigne son affection. En d'autres termes, Dieu a fait la publicité de Jésus. J'ai dit à quelqu'un que le moment est arrivé. C'est Dieu lui-même qui va faire ta publicité. C'est Dieu lui-même qui va faire ta promotion. Ce que j'aime, je me pose la question, si à l'époque il y avait Facebook, si à l'époque il y avait WhatsApp, ou une voix où Jésus, où Dieu est en train de parler, je suis en train de dire à quelqu'un, l'Éternel va témoigner pour toi. L'Éternel va témoigner pour toi. Ma kaboba tuba le bakapo na yo. Que ce poumoné na yo te. Mouta koloba po na yo ko sa la kanzambe. C'est la raison pour laquelle il pouvait dire à Moïse, gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. J'aimerais dire à quelqu'un, le silence est une arme que tu peux utiliser pendant les moments où tout le monde travaille contre toi. Pendant les moments où tout le monde est contre toi. Garde silence. Et pendant que tu es dans le silence, cherche la face de Dieu. Écoute-moi. Quand Jésus-Christ était ressuscité, la Bible nous montre qu'il était ressuscité avec des plaies. C'est la raison pour laquelle même Thomas pouvait toucher. Thomas ne croyait pas. Il a dit à Jésus que je vois. Il est allé plus loin pour dire à Jésus je dois toucher. Mais ce qui me donne, après la résurrection de Jésus, demandez les biblistes, Jésus a fait 40 jours sur cette terre. Il avait des plaies, mais des plaies qui n'étaient pas bandé. Je comprends une chose. Les plaies de Jésus ne pouvaient pas être infectées par des infections parce que tout simplement l'affection du Père était au-dedans de lui. Ah, tu m'as pas compris. Jésus, les plaies de Jésus
ne pouvait pas être infecté des infections, parce que tout simplement l'infection de son père était au-dedans de lui. Je prie à Dieu ce soir que l'infection du père soit sur toi, que l'infection de Dieu soit sur toi, parce que tout simplement que les infections de ce monde puissent quitter au-dedans de toi. Et quand je parle des infections, je suis en train de voir la maladie. S'il y a la maladie au-dedans de toi, que l'affection du Père puisse enlever cette maladie. S'il y a la pauvreté, que l'affection du Père puisse enlever cela. Si je parle à quelqu'un, qu'il me donne un bon amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le roi de rois? Ce qui crée la différence avec notre Jésus. Notre Jésus, c'est un libérateur. Autrefois, nous étions des esclaves. Quand je parle d'un libérateur, c'est celui qui nous donne des conditions libres. J'aimerais te rassurer. Ce soir, à cause de la croix, tu as la liberté de Dieu. J'ai dit, tu as la liberté de Dieu. À la croix, Jésus-Christ a crié, je répands mon esprit entre tes mains, car tout est accompli. Je te rassure ce soir, ta libération a été accomplie à la croix. Je te rassure, tes combats, tu avais eu la victoire à la croix. Et je croyais que tu pouvais me donner un bon amen. Amen. J'aime ce que Jésus dit. Il regarde ses disciples pour leur dire, allez dans cette ville, vous allez trouver un anneau attaché. Écoute ce que Jésus a dit. Détachez-les. J'ai dit à quelqu'un, si tu étais attaché, je te détache ce soir au nom de Jésus-Christ. Si tu étais bloqué, je te débloque ce soir. Et je m'attendais que je parle à quelqu'un. Si je parle à quelqu'un qui me donne un bon amen. Amen. Pendant que tu me donnes un bon amen, laisse que la liberté puisse toucher ta vie. Que la liberté touche ton avenir. Que la liberté touche tes projets. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Amen. Dieu regarde Moïse pour dire à Moïse, maintenant, va dire à Pharaon. Des choses que je suis en train de te dire, ce ne sont pas des choses qui vont s'accomplir demain. Ce ne sont pas des choses qui vont s'accomplir après-demain. Ce sont des choses qui vont s'accomplir maintenant. Écoute ce que Dieu dit à Moïse. Maintenant, va dire à Moïse, à Pharaon, de libérer mon peuple. Je prie comme un homme de Dieu. À partir de ce soir, à partir de maintenant, tu seras libéré au nom de Jésus. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Si tu es là, acclame encore pour le roi de roi. Est-ce que tu peux te tenir? Clip de frères de Paul Moulage, c'est déjà disponible sur YouTube dans Monaté. Abonnez-vous massivement sur sa chaîne YouTube de Paul Moulage officiel. Na